Et à mi-escalier, tu entends une déflagration, un coup de feu. Tu es surprise et tu te précipites en haut de l'escalier et tu ouvres la porte et tu trouves le rouquin mort. Au rez-de-chaussée, il est mort. Non, en haut, En haut. puisque tu te En haut, précipites d'accord. dans cette fameuse petite chambre Ouais. que tu découvriras lors du D'accord. repérage. Vous voulez faire une scène là maintenant? Essayez. Vous voulez vraiment que de l'eau? Oui. Il y a une petite chambre là-haut, il écrivait tout le temps. Vous fabriquez? Je répare, je déconstruis, je construis, je démembre, je colle. Mal de vivre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il faut que vous restiez. J'ai besoin que vous m'aidiez un petit peu. Vous avez trouvé facilement? Oui. Elle aime me parler de vous tout le temps. C'est pour ça que je vous ai appelé d'ailleurs. Au premier étage, j'ai une petite chambre très jolie, très rustique. Elle écrivait tout le temps. Et vous, que faites-vous? Je construis des automates. Je les démembre, je les désarticule, je les remonte. Vous pouvez me les aimer, les cochons, pour pouvoir le faire après. Écoutez, j'ai.
Je fais moins chauffer possible. Voilà, c'est vital, il faut bien. Il faut pas pour manger. Il y a un petit don quand même. Ah oui, oui, oui. Oui. C'est une déesse, non Oui, voilà, d'accord. Ouais. Et oui, je l'avais même pris. Il était au bord, les champagnes, je l'avais pris. Oui. Me poser des questions, hein, il dit. Bon, je ne comprenais pas, moi. Alors j'ai expliqué, mais la différence, c'est. Vous êtes du coin, vous. Vous êtes du coin, vous. Moi, je suis de ces gens. Mais je travaille un peu partout dans le coin, là. Vous êtes du coin, vous. Moi, je suis de ces gens. Ah. Ouais. Vous êtes du coin, vous. Moi, je suis de ces gens. Mais je travaille un peu partout dans les alentours, là. C'est itinérant, dépanneur. Ouais, on peut dire ça. Je dépanne, je vais dans les fermes et j'égorge. Vous égorgez? Les cochons seulement. Je suis un tueur en série. Légal, si on peut dire. Vous égorgez? Les cochons seulement. Je suis un tueur en série. Légal, si on peut dire. La mort n'est pas nécessaire dans l'absolu, mais sûrement utile et fertile dans l'astuce et l'imagination. Pierre Santoni. Ah ben ça. L'organe de l'infini. C'est quoi ça? Un vieux roman. Oh, le bouquin, vous savez. Oh, moi, le bouquin, vous savez. Et pour votre voiture, là, il y a un garagiste au village. Je vous y assurerai. C'est un vrai con, hein. Mais il fait du bon boulot. Hein. Vous égorgez? Oh. Et puis terminé? Ah, que non, hein. Ça fait 40 ans que je fais ça. Et pour l'instant, je n'ai jamais loupé une bête. Surtout pas louper la bête. Si je loupe, j'arrête. Parce qu'une fois installé, quand on saigne, il faut le tour de main. Tout est là, dans le poignet. J'ai pas le temps de parler après. Là. Je sais plus quoi s'est passé. Je m'en rappelle plus. Si. J'ai plus revu. C'était fini. Alors ça fait du fouet dans le coin, un peu, là, je sais. Mais. Je crois quand même qu'il était arrivé quand même à trouver. Je ne peux pas entrer dans le détail parce que, après, moi, ces choses-là, vous savez. Moi, je tue un cochon, je fais le moins de mal possible. Voilà. Tout l'intéresse. Et le tueur de cochon, quand il lui parle de son parcours, de son métier, peut-être ça permet des choses. Des allusions indirectes, des choses éblouissantes, belles. Tu perds ton temps à mariner dans ses yeux. Tu perds ton sang. Tel Attila, tel Othello, tu te noircis, dans quoi tu te mires, dans quel étang, à l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir. Tu l'auras toujours ta belle gueule, tu l'auras ta superbe, à défaut d'éloquence. Tel Machiavel, telle la belle ganse, tel Guillaume Tell, à quoi tu penses, à quoi tu penses? À l'avenir, laisse le vent du soir décider, à l'avenir. Laisse venir.
Tu perds ton temps à te percer à jour. Devant l'obstacle, tu verras, on se révèle. Tel Perceval, tel Casanova, tel Harvey Keitel, à l'avenir, laisse venir. Attila, tel Othello, tel Machiavel, tel Guillaume Tell. À l'avenir, laisse venir. Laisse le vent du soir décider. Laisse venir.